dans sa présence. J'aime quand tu es là. Même si vous ne vous sentez pas bien, levez-vous. J'aime. Remercier le Seigneur pour sa parole. Nous avons nos mains levées, debout dans sa présence. Debout dans sa présence. Nous voulons dire d'abord merci à notre Dieu. Disons-lui merci. 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 Dis-lui merci. Dis-lui merci. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Élève ta voix. Ne sois pas timide. Élève ta voix. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. J'ai de l'ébocorabasakaraba. Les mots sont si petits pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Et mon âme te loue, car nul n'est comme toi, Seigneur. Merci. 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 Tu peux chanter alors que tu es debout, de main levée. Alléluia. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau.
toute personne qui est là. Tu sais que dans ta vie, il y a un péché qui veut empêcher la main de Dieu de se manifester. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans la vie de ta famille. Un péché qui mine. Et à cause de ce péché, la maladie a pris place dans la famille. Alors tu veux, comme Daniel. Daniel n'avait pas péché, mais il a demandé pardon pour les péchés de ses pères. Afin que la miséricorde de Dieu soit manifestée. Si tel est ton cas, viens devant rapidement. Nous voulons commencer par là. Merci, il n'y a pas de honte à voir. Peut-être que pas toi qui as péché, mais dans la famille, il y a eu des pactes, il y a eu des alliances, il y a eu des choses. Et la maladie a miné, a miné. Dieu ne parle pas en vain. J'ai gémi pendant 2 semaines sur ce message. Car je savais qu'il y a une portée tellement forte et puissante. Et Dieu va dégager beaucoup de vies, beaucoup de familles. Des chaînes et des liens. Approchez. L'équipe de protocole, service de protocole et d'intercession, aidez-moi. Venez. Il y a quelque chose ce soir, ce matin, quelque chose de merveilleux. Je vous dis la vérité, quelque chose de merveilleux. Vous tous qui êtes devant, levez vos mains. Élever sa voix, tu vas confesser le péché. Peut-être que c'est pas toi qui as péché, peut-être que ce sont tes parents qui ont péché. Tu vas dire: Seigneur, pardonne les péchés de mes parents. Je veux être dégagé, je veux que ma famille soit dégagée de ces liens de maladie. Confesse, commence à prier, prie et confesse tes péchés. Commence à confesser. Dis: je me répands, Seigneur. Je te présente ce péché qui mine ma famille. Je te prie, Seigneur, honte ce péché. Prie avec moi. Il y a une puissance dans la confession. Lorsque tu confesses, les forces du mal ne peuvent plus retenir la famille. La confession est une puissance qui dégage les forces du mal, les puissances occultes. Continue à prier. Celui qui pardonne le péché. La Bible dit: si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu es fidèle et juste pour pardonner. Pardonne le péché de ton peuple. Et tous ceux qui suivent via les médias, pardonne le péché de tout ce peuple. Le péché de toutes ces familles. Au nom de Jésus. Continue à prier. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. J'entends des chaînes spirituelles qui sont en train d'être tombées.
Ta prière est en train de libérer quelque chose. Ta prière est en train de déclencher quelque chose. Ta prière est en train de libérer quelque chose dans l'esprit. Je te dis la vérité. Ta prière est en train de dégager. De dégager. De dégager. Les prisons spirituelles sont en train de te briser. Je vois les prisons en train d'être brisées. Maintenant, maintenant même, parce que tu es en train de confesser. Oh, wow, oh, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, continue. Renonce, renonce. Renonce volontairement. Libère ta famille. Ça peut être un péché sexuel. Libère ta famille maintenant. Oh, Shababarabarabarabarabarabara. Oh, Yab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 
Nous sommes dans une attitude de prière. Là où tu es, tu restes en prière. C'est la phase, c'est une phase très sérieuse. Le Saint-Esprit me dit qu'il veut révéler certains cas. Si tu es concerné, s'il te plaît, ne viens pas me voir après. C'est maintenant que ça se passe. Tu viens et je veux prier pour toi. Je veux demander aussi, sous la recommandation de l'Esprit de Dieu, qu'on m'amène de l'huile d'olive dans mon bureau. Qu'on m'amène de l'huile d'olive rapidement. Alléluia. Merveilleux Jésus. Oh. Là où tu es pris, prie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose qui est en train de se passer. Commence à prier, commence à prier. Si tu es malade, dis à Dieu, guéris-moi. Si c'est ta famille, dis guéris ma famille. Prie. C'est le moment où nous voulons maintenant voir l'intervention divine. Nous voulons voir l'intervention divine. La main de Dieu veut se déployer avec force, puissance et efficacité. Puissance et efficacité. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit vient. Glorifie Jésus. Guéris ce peuple. Guéris tous ceux qui sont malades. Guéris Saint-Esprit. Touche chacun à son besoin. Touche dans le problème. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Parmi les hommes et parmi les hommes, qui peut se mesurer à toi? Oui, Seigneur, me voici, je te prie. Me voici, dépendant de toi. De ton nom et de ton règne, toi qui es assis sur le trône de toi, tu règnes jamais. Quand Jésus passait quelque part, la Bible dit sa puissance se manifestait au travers des guérisons. Sa puissance se manifestait. Au travers des restaurations, ta puissance est ici. Ta puissance est ici. Je parlais de ta part. Seigneur, je respectais ce que tu m'as dit. Oui, Seigneur, dans le secret de mon âme, je respectais tes commandements. Je respectais ta parole. Alors viens. Alors viens. Où es-tu, Saint-Esprit? Viens, viens, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, ce peuple doit voir ta main. Ce peuple a quitté sa maison. Ces hommes sont venus. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Demande de Dieu. Il est dans la croix.
Christ. Oh, you are our sacrifice. Par les maris de nuit. Je dis, tu es beaucoup dérangé par les maris de nuit. Tu es fatigué. La puissance de Dieu vient sur toi. Je dis, la puissance de Dieu vient sur toi et te libère maintenant. C'est un esprit humain, un esprit de sorcellerie, quelqu'un qui agit au travers de ta famille. Et cet esprit a une mission, c'est d'amener en toi la stérilité. Et d'amener en toi là le célibat. La puissance de Dieu vient sur toi. Sois libéré maintenant. Je dis maintenant. Maintenant même. Amenez-la. Amenez cette personne. Tous les responsables, soyez aux aguets, s'il vous plaît. Quelque chose ici. Cette personne, amenez-la. Souvent, quand tu as quelque chose entre tes mains, ça part. Et ça part vite.
Quand tu reçois de l'argent, ça part. Tu ne sais pas, tu le dépenses. Problème à gauche, problème à droite, ça part. Il y a un esprit de contrôle. Viens vite s'il te plaît. Arrive vite, sors de la foule, viens vite devant moi. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer. Je répète, que personne ne vienne me voir à la fin. Je prierai pour aucun cas à la fin. Tout cas que Dieu me révèle, venez devant ici. J'aimerais prier pour vous. Pour la dernière fois, tu es comme visité. Tu sens comme si des gens te surveillent. Tu es observé. Arrive vite vers moi. Arrive vite vers moi. La puissance de Dieu veut te rendre libre. Te libérer. Te libérer. Une personne souffre de problèmes de kyste. Viens. Viens. Tu as des problèmes de kyste. Viens vite. Viens vite. Mets-moi de l'huile. Arrive vite. Suivez-moi, Coral, suivez-moi s'il vous plaît. Il y a une femme ici. Tu as quelquefois des douleurs au niveau des ovaires, mais surtout du côté gauche. Viens me voir. Dieu veut te guérir de ce mal. Dieu veut te guérir de ce mal. Le kyste part définitivement. Au nom de Jésus. Une autre personne est ici. C'est toi. C'est le même.
qui ont des problèmes de brûlure d'estomac. Une personne, tu prends des médicaments, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Venez rapidement, je vais prier pour vous. Une guérison de Dieu pour votre vie. Venez vite. Brûlure au niveau des estomacs. Ici, tu souffres pour beaucoup de problèmes de sciatique. De sciatique. Viens. Une autre personne, tu as très mal au dos. Toi, c'est plutôt au niveau de c'est entre le bassin et la colonne vertébrale, juste là. Il y a une douleur qui te prend des fois. C'est comme des crampes. Quand tu te lèves, ça fait très, très mal. Le Saint-Esprit est là pour te toucher. Oh, j'aime Jésus. Jésus, oh, au nom de Jésus-Christ de
Nazareth. Spéciale pour toi, tu as du mal à t'entendre avec une oreille. Tu as l'impression que ton oreille est bouchée. Viens vite. Tu as l'impression que ton oreille est bouchée. Viens vite. Il y a le miracle de Dieu pour toi et la guérison divine. Tu es où? Vite. Le Saint-Esprit est ici. Lève-toi, je veux te voir.
Voici l'onction de Dieu vient sur toi.
Dieu sur ta vie. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. T'as envoyé ici pour s'emparer de toi. Viens, 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 viens. Dieu va répondre à tes questions. Dieu va répondre à tes questions. Tu m'entends? Dieu va répondre à tes questions. Ce n'est pas un hasard. Ton cœur a pleuré. Ton cœur a beaucoup chanté. Dieu a vu le chemin par lequel tu es passé. Et Dieu te dit qu'il a toujours été avec toi. Partout où tu étais passé, il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Et ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne te dit, femme, fais-lui confiance. Comment tu t'appelles? Jean-Dana. Jean-Dana. Fais confiance à Jésus. La femme de Dieu en toi, dans ta vie. Maintenant, il rallume cette flamme en toi et sur toi. Il rallume cette flamme que tu l'aimes encore comme tu l'as aimé autrefois et que tu l'aimes encore. Cieux proclament que mon Dieu est. Souvent un problème au niveau de ta gorge ici. Tu sens quelque chose au niveau de ta gorge. Viens. C'est une balle mystique que tu as reçue. C'est une attaque satanique. Le but, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Le but de cette attaque, c'est que tu te fasses opérer de la gorge et après cette opération, tu allais perdre ta voix. C'était ce qui était prévu. Mais parce que tu es venu à cette veillée, parce que Jésus t'aime et Jésus veut te guérir de ce mal. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Car ce Dieu t'aime, tu m'entends? Il t'aime, il t'aime. Dieu va te toucher aussi. Il va te visiter. Oh, 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 oh.
aidez-la, aidez-la, parce que l'onction de Dieu est fortement sur elle. Une femme de prière. Je vois une onction spéciale de l'intercession. Une onction forte de la prière sur toi. Amour, Jésus,
Sa main sur cette chair. Nous voulons prier pour elle. La puissance de Dieu la libère. Prions, prions tous ensemble pour elle. Lâche-la. Je dis lâche-la. Je dis lâche-la. 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 De toute oppression. Bah! Mon Jésus m'a guéri. Prie sérieusement. Mon Jésus m'a guéri. Pas au nom de Jésus. Mon Jésus m'a guéri. Sors. Mon Jésus. Sauvez. Tu ne peux pas la détruire. Jésus est venu la sauver. Lâche. Tu es libre.
qu'on a mis à mourir. Le diable a voulu détruire sa vie. L'amener même à pouvoir sauter la vie, se suicider. On m'a mis en contact avec elle. Je suis passé sur une émission dans Casarema. Elle a suivi, elle a été touchée. Et on m'a passé, on me l'a passé. J'ai commencé à la suivre. Et je lui ai dit, elle doit venir forcément à cette veillée. C'était un combat, n'est-ce pas, Verdi, pour venir. C'était compliqué. J'ai dit, je te paye le billet. Je lui paye le billet pour qu'elle vienne. Parce que Dieu a un rendez-vous avec elle. Le diable a vaincu dans sa vie. Le diable est vaincu. Après cette rencontre, ta vie ne sera plus jamais la même. Satanique, démoniaque, je brise la puissance de l'occultisme qui a été faite sur ta vie. Je brise les incantations, les paroles de malédiction qui ont été prononcées en tant que ministère apostolique. Je proclame la bénédiction d'Abraham dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Lève-toi. Amen, mon Jésus. Peu importe le problème, venez devant ici. Peu importe le problème que vous avez, venez devant ici. Le Seigneur veut guérir une femme qui est ici. Tu as souvent des problèmes au niveau de tes menstrues. Souvent tu ne vois plus. Et ça t'inquiète un peu. Je vais également prier pour toi. Pour tout ce qui est malade, peu importe la maladie, venez devant, je vais prier pour vous. Condamné.
restaure sur moi. Il a pris ma place. Seigneur. Il a pris ma place. Oh, la puissance de Dieu. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Quand je devais être emprisonné, il a pris ma place. Sont passées, toutes choses nouvelles. Il a pris ma place. Hey. Il a pris ma place. Oh. Il a pris ma place. Jésus. Il a pris ma place. Il a enlevé la culpabilité qui me retenait. Oui. Il a pris ma place. Mon roi. Il a pris ma place. Il m'a changé. Il a pris ma place.
Père. Il a pris ma place. Il a réellement attaché ma vie avec le Seigneur. Il a ramené la vie des fils au Père. Sois guéri de tes bénédictions des cieux et de la terre. Oh, il a pris ma place. Christ qui me fortifie. Il a pris ma place. Toute chose a changé. Toute chose est nouvelle en moi. Je suis devenu un être racheté. Enseigner le chemin de la vérité.
veux faire une dernière prière. J'espère que c'est une dernière. Ça, c'est dans mon programme. Mais je ne connais pas très bien le programme de l'Esprit. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui ont les dons de guérison. Car le but de Dieu, c'est qu'au travers de vos dons, que de multitudes soient guéries. Je ne suis pas seul détenteur du don. Vous avez, il y en a ici qui l'ont. Alors, si tu sais que tu as le don de guérison, viens devant. Si tu sais que tu as ce don, tu as reçu ce don de la part de Dieu, arrive devant. Il y a des gens que Dieu va visiter puissamment. 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 Je peux sentir déjà cette onction en train de venir. Je peux sentir cette onction en train de venir. Vous avez juste les mains levées. Juste les mains levées au ciel comme ça. C'est comme une huile fraîche qui va couler sur vous. Il y en a, vous allez sentir comme une chaleur sur la main. Il y en a, vous allez sentir comme une chaleur sur la main. Il est en train de descendre en ce lieu. Même si tu es dans la foule, si tu ne sais pas que tu as ce don, l'Esprit de Dieu va te saisir. Je te dis la vérité. L'Esprit de Dieu vient te saisir. Il vient te saisir. Il vient te saisir. Il vient te saisir. Oh, tout ce qui a le don de guérison, l'Esprit de Dieu est en train d'arriver sur vous. L'Esprit est en train de venir sur vous. De se déverser sur vous. Avant que je ne prie pour vous, le Saint-Esprit lui-même, il vient déverser une coupe de son onction. Car il y a parmi vous, il y en a qui ont reçu le don, vous chassez les démons, vous chassez les démons, vous priez pour des malades afin que les malades soient guéris. Le feu arrive sur vos mains. Qui veut fuir l'appel de Dieu. Dieu me dit de te dire, Dieu, que Dieu t'appelle. Il est en train de t'appeler. Il me dit de te dire, il t'a donné ce don pour que tu ailles vers les malades et que tu pries pour le malade. L'onction de Dieu ne te laissera plus tranquille. Elle ne te laissera plus tranquille. Là où Dieu, elle se saisit de toi. 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 Elle se saisit de toi.
silence. S'il vous plaît, gardez le silence. Seulement le piano. Là où vous êtes même assis, fermez vos yeux. Quelque chose est en train d'arriver ici. Je sens quelque chose venir dans la salle. Le ciel est ouvert. Où que vous soyez, peu importe votre appel, votre ministère, l'Esprit de Dieu vient vous saisir maintenant. Là où tu es, la puissance de Dieu arrive. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Il y en a qui ne tiendront pas sur leurs pieds. Je vous dis, il y en a qui ne tiendront pas sur leurs pieds. L'onction de Dieu vient les saisir maintenant même. Je dis maintenant même, voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Une femme, tu dois marcher pour Dieu. Il y a le feu sur tes pieds, le feu sur tes jambes, les pieds dans tes pieds. Dieu t'appelle. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Vous tous qui êtes appelés de Dieu, là où vous êtes, l'onction vient sur vous. Que vous soyez appelés pour la prière, l'intercession, la délivrance, la guérison. Voici la main de Dieu. Elle arrive, 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 elle arrive. Elle arrive. Allume la flamme, dis donc. Dieu rallume la flamme, dis donc. Amène-la, 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 amène-la. Amène-la vite. Dieu rallume la flamme, dis donc. Dieu rallume la flamme, dis donc. Dieu rallume. Aidez maman. Power! Shekaya baba baba baba. Dieu rallume la flamme, dis donc. Le don de guérison. Au nom de Jésus. Shendele Bokoria baba. Dieu rallume la flamme, dis donc. Au nom de Jésus. Il y en a qui ne tiendront pas sur leurs pieds. Je vous dis la vérité. Ne soyez pas distrait. Il y a quelque chose. Ne soyez pas distrait. Quelque chose est en train d'arriver. Dieu est en train de renouveler son peuple. Dieu est en train de oindre à nouveau son peuple. Dieu est en train de oindre à nouveau. Si tu es un vase vide, un vase disposé, un vase disponible, Dieu te oint à nouveau. Aide-la, 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 aide-la. Aide-la, aide-la. Fire! Dieu est en train de oindre à nouveau. Il est en train de oindre à nouveau. Il est en train de oindre à nouveau. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Arrive sur toi. Voici l'Esprit de Dieu. Arrive sur toi. Aide-la, 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 aide-la. Chendere Bokoria Baba Baba Baba. Alléluia. Alléluia. Fire. Le feu. Plamedi, viens ici. Plamedi, Plamedi, viens vite, 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 vite. L'onction de Dieu. Il y a des sentinelles que Dieu veut susciter. Il y a des gens qui ont un appel de sentinelle. Des gens qui ont un appel de sentinelle. Des hommes et des femmes qui ont un appel de sentinelle. Dieu est en train de vous chercher. Où que vous soyez dans la salle, il vous saisit. Où que vous soyez dans la salle, il vous saisit. Où que vous soyez, il vous saisit. Il vous saisit. Il vous saisit. Il te saisit. Et demain, ma fille, la puissance de Dieu. Et sur toi, la puissance de Dieu est sur toi, l'explosion de la gloire de Dieu. Il y en a qui vont expérimenter l'explosion de la gloire de Dieu. L'onction de Dieu vous accompagnera. L'ombre du Tout-Puissant vous couvrira. Et des miracles extraordinaires se produiront par vos mains. Une chose, restez dans l'humilité. Restez dans l'humilité. Restez dans l'humilité. Restez dans l'humilité. Ici. Oh my God, je suis transformé. Quelque chose arrive ici. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Amène-moi les deux jeunes sœurs. Amène-moi les deux jeunes sœurs. Vite, 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 vite. De là, de là, de là. Vite, 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 vite. Vite.
ici. Viens. Quelque chose se passe ici. Lève tes mains. Il y a une onction prophétique. Tous ceux qui ont le don de prophétie, tous ceux qui ont un appel prophétique, la main de Dieu vient sur vous. Je vous dis la vérité, la main de Dieu vient sur vous. Elle se pose sur vous. Elle vous pousse. Vous allez prophétiser. Vous allez donner des paroles de connaissance. Voici l'Esprit de Dieu. Et de là. Oh Jesus. My God. C'est merveilleux. Vos langues se délient. Fils de l'homme prophétise. Une armée de prophètes. Le Saint-Esprit dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Amenez-les-moi. C'est de la chorale. Amenez-les-moi. My Jesus. Laissez-la. C'est trop fort sur air. Dieu l'appelle. Oh, Dieu veut ta vie. Ça va. Voici la puissance de Dieu arrive sur toi. Ta famille sera visitée. Dieu visitera ta famille. Dieu relevera ce qui était tombé. Dieu va reconstituer ce qui était brisé. Dieu ne brise pas le roseau cassé. Il ne tient pas la messe qui fume encore. Il est Dieu et il est ton Dieu. Il va guérir les blessures de ton cœur et il va te restaurer. Car il t'appelle à une œuvre de restauration. Femme, je t'appelle à être comme Déborah. Le Saint-Esprit est ici. Il est en train de saisir des bouches. Toutes les bouches de Dieu, voici l'onction. Bouche de l'Éternel, voici l'onction de Dieu. Alléluia. Jésus de Nazareth. Un appel à la sainteté, un appel à la repentance, un appel à retourner à Dieu, un appel à être sérieux avec les choses de Dieu. Dieu appelle son église à la pureté. Dieu appelle son peuple à la sanctification. Dieu appelle son peuple. Tu es ma bouche, ma fille. Tu es ma bouche. J'ai déposé ma parole dans ta bouche. Tu dois parler. N'aie peur de personne. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dit l'Esprit de Dieu. Ouvre ta bouche et je la remplirai. L'Esprit de Dieu est fortement là. Il est fort. Aidez-la. Suivez-la. La puissance de Dieu est trop fortement sur elle. Merci Jésus. Où fuiras-tu loin de Dieu? Ma fille, où fuiras-tu loin de Dieu? Il est temps de répondre à l'appel. Consacre-toi. Je te sortis de loin. Consacre-toi. Je te veux dans ma présence. J'ai réservé de grandes choses pour toi. Les œuvres du diable dans ta famille seront détruites par tes mains. Je t'ai choisi pour la délivrance de ta famille. Je t'ai choisi. Merci Jésus. Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois davantage. Il te donne la vision de l'aigle. Il y a une femme ici que Dieu appelle comme une aigle. Oh my God, c'est trop fort.
Le Saint-Esprit est là. Voici la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Aidez là. C'est trop fort. En fait, Dieu est en train d'enlever les écailles, d'enlever le voile. Ça fait mal. Une véritable prophétesse de Dieu. Si tu as bien. Voici l'aigle dont Dieu m'a montré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Viens, viens. Amenez-la, amenez-la. Il y a une onction forte sur Dieu. Que Dieu sur elle. Une intercesseuse prophétique. Voici pourquoi Dieu l'inflige un temps de jeûne. C'est trop fort. Je vous ai dit, je me sens étrange. Papa Jackie, je me sens étrange. Il y a une manteau de Dieu sur moi. Elle. Une femme dangereuse, très dangereuse pour le royaume du diable. Quelle est une intercession. Je l'ai vue dans les hauteurs. Pendant que je priais pour Nikki, Dieu m'a montré en vision. Et je voyais quelqu'un monter comme ça dans les hauteurs. Terrible. Et Dieu est en train de lui donner une vue perçante depuis les hauteurs. Pour voir les choses cachées. Dieu va révéler les choses secrètes. Dieu va révéler les choses cachées. Aussi bien dans vos vies que dans l'église. Il est temps de restaurer la crainte de Dieu. Il est temps que le nom de Jésus soit glorifié. Il est temps que l'église se sanctifie. Il est temps que le peuple revienne à Dieu. Il est temps que le réveil spirituel sonne et se déploie dans l'église. En France, Dieu appelle cette nation pour être une locomotive dans le domaine spirituel. France, réveille-toi. France, réveille-toi. Amen-la, 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 amen-la. Oh my God, Jesus, c'est trop fort ici. Jesus, aide-la, 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 aide-la. C'est un manteau prophétique. Tutu, il est où? Amenez-moi Tutu ici. Rembozi ketebo, kori lebo, zinderebo, kori masikataba. Rebo katama seketebo. Ori ababa. Ce jeune-là, viens. Non. You are. No. Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de planter, de positionner dans vos familles. Vous êtes comme des colonnes, des piliers. Dieu passera par vous. Rien ne se passera sans que Dieu vous informe. Le Seigneur de l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Le Seigneur parle, qui ne prophétiserait? Le Seigneur parle, il ne prophétiserait. Le Seigneur ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Le prophète, demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez dans la présence de Dieu. Tu es un jeune qui va marquer ta distinction. Tu marqueras ta génération. Dieu va te lever. Il te lève. En moins de 2 ans. Trésor. En moins de 2 ans. Et tenez bien ça. En moins de 2 ans. Il faut beaucoup prier pour lui. Vous savez ce que je vois dans l'esprit? Je vois des jaloux. Des gens qui chercheront à le faire du mal. Ou qui n'arrivent pas là où Dieu veut l'amener. Mais comme Dieu l'a révélé, il va l'écarter. À condition de prier. Elle a longtemps fui l'appel de Dieu. Tous viens. Il y a un nouveau manteau sur toi. Lève-toi. Je vis comme dans l'esprit. L'ennemi a voulu ôter un manteau sur toi. Il a voulu t'enlever, déchirer un manteau. Il a voulu le faire. Mais Dieu t'aime. Parce que tu le fais très mal. Tu m'entends? Tu lui fais très très mal. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Garde tes mains levées. L'onction de Dieu est en train de venir sur toi.
Je vois un ciel qui est ouvert sur toi et qui se déploie directement sur ta vie. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est un don authentique de prophétie, tu m'entends? Un don authentique, un don authentique. Dieu me dit de te dire, je te veux dans ma présence. C'est là que je te veux. Dans ma présence. Je pourvoirai tous tes besoins. Ne pêche pas montrer ma fidélité. N'as-tu jamais vu ma fidélité? Je reste fidèle à mon alliance. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais. Je te délaisse. Tu seras ainsi pour cette génération. Que dit l'Esprit de Dieu dans ma présence. Un manteau nouveau est en train de venir sur toi. Ça va, ma fille? Ça va. Ne fuis plus l'appel de Dieu. Tu m'entends? Ne fuis plus l'appel de Dieu. Dieu veut se servir de toi pour ta famille. Et de là, ouf, 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 ouf. De Dieu. Est-ce que quelqu'un aime la puissance de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un aime la puissance de Dieu? Nous parlons de la guérison divine. Est-ce que quelqu'un aime la puissance de Dieu? Elle est ici. Elle est ici. Oh, j'aime cette musique. Oh, c'est Catherine de Bro, Catherine de Ross, c'est de Bro. Papa, ma fille. Aidez-la, aidez-la et suivez-la. 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 Voici l'onction de Dieu. Sur toi. Je veux parler au secret, dans le secret, et je veux parler à ton cœur. Ma fille, qu'attends-tu? Qu'attends-tu, ma fille? As-tu encore besoin des signes? Après tout ce que tu as vu, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu
voisin te dit reste calme. Rien ne se passe. Ma main est à l'eau. Essuie-toi. Car moi, Dieu, je suis au contrôle de toute la situation. Deux frères là, venez. Les deux frères, venez. Je ne vous connais pas, venez. Venez, venez tous les deux, s'il vous plaît. Dieu veut ouvrir des portes dans vos vies. Il devra ouvrir des portes, de grandes portes dans vos vies. Il vous demande plus de consécration, plus d'amour de Dieu. Vous m'entendez? Plus de consécration, plus d'amour de Dieu. Beaucoup de choses auxquelles vous aspirez, le Seigneur est prêt à vous donner. Est-ce que vous êtes prêt à supporter tout ce que Dieu veut vous donner? Dieu ne veut pas vous perdre. Il veut d'abord vous avoir ce que vous voulez. Il veut le faire dans votre vie. Je vois un appel de Dieu puissant. C'est toujours par vous. Par rapport à la jeunesse, toi aussi. Vous touchez la jeunesse. Jeunesse meurt. C'est le Dieu qui vous a choisi. Qui vous a appelé. Pour ce temps. Vous voulez que je prie pour vous. Que je me prie pour vous. Levez-vous. Envoyés dans ce monde. Nous sommes parmi de leur vie. Bénis-nous. Formez-nous. Préparez-nous à de grandes choses. Que ta gloire éclate dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que soient les instruments puissants de ta gloire. Et que plusieurs, les multitudes soient même touchés au travers de leur vie. Bénis leur projet. Que leur avenir soit verdoyant. Préserve-les de tout mal. Sors-les du filet de l'oiseau d'air. Et glorifie Jésus dans leur vie. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Cette église est à toi.
marche au milieu d'elle. Fais ce que tu veux. Bannis de nos cœurs la négligence. Merci. Pardonne nos iniquités. Lave-nous par ton sang précieux. Purifie nos cœurs, nos âmes. Que nous te soyons toujours agréables. Renouvelle la vision dans nos cœurs. Renouvelle l'appel de Dieu. Redonne le premier amour, le zèle. Fais-nous avancer, triomphe. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen.